Salut tout le monde, vous le savez, chaque semaine je sillonne la Vendée et j'essaie de vous faire découvrir les nouveautés 2021. Aujourd'hui, on est à Chauché au domaine de l'Oiselière. Là, vous allez me dire, waouh, c'est chouette, mais c'est pas nouveau. Non, ça a ouvert il y a quelques temps, la nouveauté, c'est que ça y est, ils l'ont eu. Le label Clé Verte. C'est très très classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va leur demander, c'est parti. Bonjour. Bonjour Clément. Vous m'attendiez? Ouais. J'ai mis un peu de temps, je suis désolé, je suis venu en courant. Je voulais pas prendre la voiture, c'était important parce qu'on est dans un lieu au milieu de la nature où on fait attention à l'environnement ici, je crois, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a beaucoup de critères pour avoir le label Clé Verte. En gros, ça veut dire que vraiment, on respecte l'environnement. Où est-ce qu'on est exactement? C'est quoi? C'est un camping, un écologe, c'est quoi l'appellation? On est un camping, mais c'est vrai que beaucoup de gens nous disent que c'est un peu différent. Il y a combien d'hébergements au total? On a 32 locatifs. D'accord. Et on peut aussi venir camper, si moi j'arrive et que j'ai vraiment envie, en pleine nature, de venir avec ma tente, je peux le faire aussi. Ouais, on a aussi 25 emplacements nus. Donc là, on arrive, scène de spectacle tout en bois, de spectacle ou de cinéma. Je vois qu'il y a une projection qui va avoir lieu, qui a eu lieu. Ouais. Où est-ce que je peux aller si je veux voir les chambres? On peut me faire visiter ou pas? Eh bien, par exemple, les cottages originaux. Oui. Voilà. Et vous pourrez peut-être voir ma sœur, Laïna, là-bas. Ah bah c'est parti, je vais aller voir. Ciao. On va passer par l'aire de jeu des enfants. Bonjour. Bonjour. Là, c'est de l'hébergement chalet, vraiment dans un esprit un peu cabane, voilà, tout en bois. Bon, on va visiter, c'est parti, je vous suis. C'est parti, on y va, allez. Donc voilà le petit intérieur. Donc effectivement, c'est petit, mais c'est super fonctionnel. Un petit espace cuisine, le petit espace salle de bain, toilette, douche, lavabo. Les couchettes enfants, puis à l'étage, du coup, le couchage pour les parents en mezzanine. Voilà. Et tout est en bois? C'est quoi comme bois? Ouais, c'est du Red Cedar. Donc c'est un bois vraiment naturellement hyper durable. Et puis on le retrouve vraiment partout, les interrupteurs, enfin les petits détails, les petites tablettes. Là, c'est idéal pour les enfants là. Ouais, mais j'ai envie d'être en vacances avec ma sœur et de me battre pour savoir qui va dormir en haut. C'est ça, exactement. Donc là, on arrive vers les coco-lodges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est notre zone vraiment dédiée au camping. Et on a du coup des petits hébergements lodges et coco-lodges qu'on va visiter ensemble. Donc un petit cocon aussi, en fait. Ouais. Avec, ça, c'est pour 4 personnes? Ouais, c'est pour 4 personnes. En fait, il y a 2 petits espaces de couchage. Donc voilà, on est vraiment dehors, dedans, quoi. C'est l'esprit avec cette grande ouverture et puis la super vue sur la campagne. Merci pour la visite. Je t'en prie. À bientôt, je vous laisse travailler. Moi, je reste là un peu, je vais me poser. Ça, merci pour tout. Je vais regarder la nature. Je vais commencer à parler aux oiseaux et me ressourcer au milieu des champs de maïs. Voilà. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Vendée.